Bienvenue à tous à ce talk au sujet sport et urbanisme, la ville comme un terrain de jeu. Ça nous fait très plaisir de vous accueillir à cette occasion. Pour vous expliquer un peu le déroulé de la soirée, donc on va avoir la talk qui va durer environ une heure. Si jamais vous n'avez pas le il y aura un moment qui va être alloué pour que vous puissiez poser des questions, évidemment. Mais si jamais, pas d'inquiétude si vous n'arrivez pas à poser votre question, parce que c'est suivi d'un apéritif dînatoire où vous pourrez poser toutes vos questions de manière encore plus personnelle et intime à chaque intervenant. Du coup, je vais passer la parole à notre modératrice de la soirée, Anne-Chantal Rupert. Architecte diplômée de l'EPFL, qui fait partie de l'association Ville en Tête, une association qui a aidé à créer un atelier de médiation conduit ici au Musée Olympique. Donc je vous souhaite à tous une très belle soirée et merci d'être là. Bonsoir, merci pour l'invitation. J'ai le plaisir de d'abord présenter rapidement nos intervenants de ce soir. Nous avons d'abord Antoine de Menestrel, qui est grimpeur, est un athlète aguerri qui exploite tous les environnements pour la pratique de son sport, la ville comme la montagne. Il est aujourd'hui non seulement grimpeur, mais aussi artiste, danseur et chorégraphe. Vous avez un peu fait de la ville votre théâtre, en faisant de la danse de façade. Ensuite, à côté de moi, nous avons Julien Glauser, qui est anthropologue social, muséologue et urbaniste. Il est conservateur adjoint au musée d'ethnographie de Neuchâtel et il est l'auteur d'une thèse intitulée « Revers de Tokyo, images et imaginaires du skateboard, recherche en anthropologie visuelle ». En parallèle, j'ai développé une activité de vidéaste, documentariste et d'art. Ensuite, nous avons Cyril Vouillot, ou Rizé, en fait, je ne sais pas comment tu t'appelles, qui est skater et artiste. Dans sa pratique artistique, il inclut notamment les graffitis, une recherche sur les lettrages et la typographie. Et il est l'auteur de la magnifique rampe, sculpture, qui a été conçue pour l'exposition qui est actuellement présentée au Musée Olympique, devant le parvis du musée. On aura peut-être l'occasion de voir une photo tout à l'heure, vous la regarderez en sortant. Voilà. Et puis, pour terminer, nous avons Jérôme Heim, qui est sociologue et qui est aujourd'hui adjoint scientifique à l'Institut du Management des Villes et du Territoire à la Haute École de Gestion ARC. Il mène des recherches autour de l'aménagement urbain et surtout la participation. Et il est également actif dans différents projets liés au skateboard, dont en particulier la gestion de chantiers participatifs avec des jeunes pour la construction de skateparks et d'autres infrastructures ludico-sportives. Voilà. Nous allons commencer par parler de comment la pratique sportive influence la manière qu'on a de percevoir la ville, son environnement. Et en deuxième partie, nous nous consacrerons à la question sur comment est-ce qu'on peut intégrer cette pratique sportive dans la conception des espaces publics, des espaces urbains. Donc, je vais d'abord vous donner la parole à chacun pour commencer par la première question. Donc, comment est-ce que votre pratique sportive ou la pratique sportive influence la perception de l'espace et de la vie? On commence là? Avec le micro. Merci, bonsoir, merci d'être là. Donc, Antoine Ménestrel, c'est mon vrai nom, c'est un labtonyme. C'est ce qui m'a permis de prendre le risque, quand j'étais un sportif de haut niveau, de devenir un artiste. Et je voulais commencer par un poème de Rimbaud dans Les Illuminations, qui dit que j'ai tendu des cordes de clocher à clocher, des guirlandes de fenêtre à fenêtre, des chaînes d'or d'étoile à étoile, et je danse. Et ce poème m'a beaucoup
influencé quand j'étais un sportif de haut niveau et que on inventait l'escalade libre qui est actuellement aux Jeux Olympiques. C'est né dans les années 80. L'escalade libre, c'était s'extraire du matériel pour rapprocher le corps de la paroi, ne plus avoir d'intermédiaire, de faire corps avec la paroi. Et cette pratique-là, c'est inventé. Donc, juste pour vous dire que, en fait, le sport, c'est aussi une invention, c'est de la culture. Et pour arriver aux Jeux Olympiques, il a fallu inventer des règles. Donc, il n'y a pas de meilleur absolu. C'est un meilleur dans des règles imaginées. La compétition est une mise en scène de la recherche du meilleur. Et donc, après avoir ouvert les voies pour les compétitions d'escalade, parce que j'ai refusé de faire de la compétition, j'ai tracé les parcours. Je suis devenu un chorégraphe dont la partition est révélée par les compétiteurs. Et de là, je suis allé jusqu'au spectacle, donc de mettre en scène mon émotion, de ne plus avoir un corps outil où je lui demande de venir réaliser un mouvement, où le but d'un sportif, c'est d'avoir un geste et qui réussit. Alors qu'en danse, la réussite du geste, c'est le mouvement lui-même. C'est le mouvement qui est porteur d'émotions. Et cette différence est très, très importante quand on fait un geste en escalade. Surtout qu'on ne peut pas rater son geste, on rate son geste, on tombe. Et donc, je me suis mis à faire des spectacles sur les falaises, sur les murs d'escalade. Et puis après, j'ai enlevé tout ça et je suis allé faire des spectacles sur les monuments, les églises, les musées, les opéras, les théâtres. Et en fait, moi, je vois l'architecture urbaine comme une partition chorégraphique. Je viens m'appuyer sur cette partition pour pouvoir écrire mes gestes. Et en même temps, la façade, c'est en même temps un espace de projection de mon imaginaire. Donc je vais y projeter des imaginaires liés à la hauteur. Hein, on est pétri d'imaginaires, on a plein de super-héros qui sont issus du milieu urbain. La montagne, on parle de montagne, il y a quelqu'un qui ne fait pas de montagne, il va avoir peur et voir déjà le nœud qui est en train de se défaire. On parle de montagne souvent d'une façon tragique dans les médias, alors qu'en milieu urbain, on va en parler d'une façon beaucoup plus ludique. Spider-Man, le Père Noël, Roméo, vous voyez tous ces super-héros de la hauteur qui veulent changer le monde. Donc je me suis nourri de tous ces super-héros qui sont des hommes seuls en hauteur. Et donc j'ai incarné tous ces personnages-là. Donc je viens projeter cet imaginaire-là sur la façade. Donc c'est en même temps un écran, en même temps une partition, en même temps une limite. C'est une limite entre l'espace public et l'espace privé. Quand je joue Roméo qui cherche Juliette et que j'offre des roses aux femmes aux fenêtres, en fait je viens mettre en scène l'espace privé dans l'espace public. C'est une frontière, une limite. Donc moi, je ne cherche pas à faire tomber les murs, parce que la frontière, c'est mon espace d'expression. Merci beaucoup. Enfin, c'est dur de prendre la parole après, puis je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. C'est en parlant de la grimpe ici, qui se rattache au skateboard. C'est vrai que c'est le mouvement et la pratique même qui fait qu'on va reconnaître les choses de la ville, se reconnaître dans la ville et puis aussi lire la ville et sans forcément le mettre en scène, mais c'est vrai que quand on est en plusieurs, on va toujours regarder les autres, se regarder soi-même, puis après prendre des images et regarder les images qu'on fait. Et au fond, d'avoir une pratique, on apprend à lire les endroits qui sont intéressants, c'est intéressant aussi quand on suit les skateurs, de voir où ils passent, parce qu'ils ne prennent pas toujours le chemin le plus rapide, ils prennent le chemin le plus roulant. Donc, c'est-à-dire qu'on va aussi lire les sols, lire la qualité du sol, et puis apprendre à regarder. Même en tant que piéton, on s'arrête des fois pour jauger un muret, pour regarder des escaliers, etc. Donc, c'est vrai qu'avec des non-praticiens, c'est un peu bizarre, on s'arrête de pouvoir regarder des choses particulières.
Et donc voilà, je pense que pour les grimpeurs, on voit d'autres choses, pour les skateurs, on voit encore d'autres. Et puis, c'est vrai que c'est... Et puis peut-être le lien aussi au faux pas, la chute est très présente dans le skate, on espère moins dans l'escalade, mais elle est toujours en tête, je pense. Donc c'est vrai que la blessure et se blesser soi-même dans l'espace public est importante, donc on va vraiment bien inspecter les loups. Voilà, bonsoir à tous. J'ai envie de commencer à vous dire, vous avez fait des très belles intros. Du coup, là, je suis un peu intimidé, je dois avouer. Moi, j'ai énormément fait de skate dans ma vie. J'ai passé, je pense, un bon tiers de ma vie sur des roulettes. J'ai aussi toujours dessiné, du coup, qui m'a emmené dans le graffiti ici. Et je pense que ces deux disciplines, elles ont le point commun, c'est que les deux, elles ont été pendant longtemps, je dirais, réprimandées ou en tout cas peu reconnues par le grand public ou même par les institutions. Chose qui a bien changé dans les dernières années, comme on a pu tous s'en rendre compte. Et je pense que l'autre point commun qu'elles ont, c'est qu'elles me poussent à voir à peu près tout ce qui m'entoure comme un terrain de jeu potentiel. Et ça m'a toujours paru quelque chose de naturel. Et en fait, plus j'en parlais autour de moi, plus je me rendais compte que ce n'est pas nécessairement quelque chose que tout le monde a, que beaucoup de gens verront des obstacles, ou les gens qui font du skate ou même du graffiti verront des opportunités. Donc, pour s'amuser, je te parlais avant de voir les surfaces, les sols, c'est vrai que ça pousse à une curiosité tellement large qu'il y a autant des matériaux que des formes. Des fois, je vois des trucs d'architecture, tu te demandes mais à quoi ça sert à part skater dessus, quoi. Ça n'a pas l'air bien pour marcher, ça, c'est pas vraiment joli, mais c'est parfait pour skater. On a discuté ensemble, justement. Et dans le graffiti, pareil, il y a des endroits, ça donne envie de grimper, ça rejoint, je ne suis pas du tout grimpeur, mais de par mes activités nocturnes, dira-t-on, j'ai été amené à grimper à des endroits, et en fait, c'est un peu comme un publicitaire, c'est comme de la publicité non lucrative, où tu prends des risques, du temps et plein de choses pour quelque chose que tout le monde s'en fout, à part les gens qui font du graffiti, on dirait. Mais je pense vraiment la notion de terrain de jeu, autant dans une discipline que dans l'autre, dans la grimpe, ça rejoint clairement ça, c'est infini. Et c'est quelque chose que, du moment que le virus t'a touché, même si tu ne pratiques pas forcément l'activité encore après quelques années, je pense que c'est toujours quelque chose qui est en toi et que tu peux plus arrêter. Tu regarderas toujours pour ce potentiel terrain de jeu, je crois. Je crois que voilà. Merci. J'ai longtemps pensé que, depuis le temps que je fais du skate, il y a quand même quelques années, que le monde se divisait en deux catégories, ce qui était skatable et ce qui ne l'était pas. C'est-à-dire que justement, il y avait des choses qui étaient vraiment inintéressantes d'un point de vue du skate, ça ne roulait pas ou ça ne pouvait pas glisser, etc. Et puis, malgré que ça pouvait avoir d'autres intérêts d'un point de vue, je ne sais pas, qu'on puisse s'asseoir, qu'on puisse y jouer. Et là, il y a vraiment cette notion du terrain de jeu qui m'intéresse beaucoup. Et puis, c'est vrai qu'avec le skate, on voit les choses différemment. Enfin, c'est un peu une caricature, tous les skateurs le diront, on le répète vraiment beaucoup. La ville est un terrain de jeu, on voit des éléments qui ont été construits pour une certaine fonction, pour monter des marches, pour s'accrocher en descendant des marches, pour s'asseoir peut-être. Et les skateurs voient les choses différemment, ils voient qu'il y a comme un obstacle, quelque chose sur lequel on peut glisser, rouler, sauter par-dessus, etc. Et puis, depuis quelques temps, je crois que je voudrais ajouter une troisième catégorie à ma vision du monde, qui est ce qui peut être skatable parce qu'on peut le transformer potentiellement. Et puis, je trouve aussi intéressant qu'on puisse se dire que la ville, on peut aussi la transformer. Ce n'est pas toujours que des experts, des urbanistes, des architectes qui peuvent améliorer, qui peuvent concevoir et construire la ville. Mais en tant que citoyen, en tant qu'utilisateur, on peut y apporter quelque chose. On le voit simplement, les skateurs, ils vont mettre des tonnes de wax, comme on appelle, ou simplement de la bougie, parce que ça coûte moins cher, pour que ça glisse. Et donc, en tout cas, quand on est un skateur, on voit ces transformations. Mais je pense qu'on peut parfois aller plus loin, et puis c'est ce que font aussi certains skateurs, à y ajouter des bouts de béton, à réparer des fissures, ce genre de choses. Et puis je trouve que
ça donne un message aussi sur ce qu'on peut faire de la ville, c'est-à-dire se l'approprier non seulement pour l'utiliser, mais aussi pour la transformer. Je vais embrayer là-dessus, on a parlé de spectacle, de virus, de graffiti, et même maintenant de justement le regard, l'appel peut-être, si on peut approfondir un petit peu. Vous avez beaucoup parlé de votre propre expérience, de votre pratique, la pratique du sportif, est-ce que cette pratique-là, le fait de faire toujours, de se produire dans l'espace public, est-ce que ça peut aussi modifier, transformer, éveiller le regard des autres utilisateurs de ces espaces? Le virus est transmissible, même pour les gens qui n'osent pas monter sur le skate. Je pense que c'est un très bon point, c'est que beaucoup de sports se font sur un terrain de foot, par exemple. Et c'est vrai que si tu ne passes pas devant un terrain de foot, comme un mortel dans ta vie tous les jours, tu n'es pas forcément exposé. Alors que c'est vrai que le skate, ou plein de sports qui se pratiquent en milieu urbain, en vrai, des passants peuvent tout d'un coup regarder ça et développer un intérêt pour la pratique sans forcément avoir eu à faire des recherches pour là-dessus. Et j'espère que ça peut en inspirer plus d'un, en fait, à dire « Ah, ça va être cool !» Ouais. C'est vrai qu'à mon niveau, je ne peux pas changer le monde, mais je peux changer le regard sur le monde. Et en fait, en venant grimper, en venant danser sur une façade, souvent on me dit « Ah, Miroc, ah, j'avais pas vu cette fenêtre-là, cette petite sculpture. » Et en fait, on devient un révélateur du monde qui nous entoure. Donc ça a une fonction intéressante dans le quotidien de l'urbanité, du passage dans la rue, parce que c'est fait pour aller d'un endroit à un autre, et tout d'un coup, on va lever les yeux en voyant un danseur sur la façade, et on va s'apercevoir que même si on habite dans cette ville-là depuis bien longtemps, on n'avait jamais vu cette petite sculpture. Donc cette idée d'être révélateur du monde, et si on peut révéler la beauté du monde, ben c'est encore mieux pour moi. Et ça, c'est aussi tout simplement en donnant l'échelle humaine dans l'espace dans lequel on est. Et c'est comme l'homme de Vitruve qui se promène sur les façades. Et de redonner l'échelle humaine dans le monde, je trouve que ça fait toujours du bien. Ça nous fait toujours du bien. Aussi, quand on voit des habitants, plein d'habitants, tous sur une fenêtre, tout d'un coup, ça devient comme un calendrier de l'Avent où il y a de l'humanité à chaque fenêtre. Donc voilà, on arrive à transformer le regard sur le monde, ou tout simplement le geste aussi. Si mon geste, je vais prendre la prise, non pas pour la prendre et la ramener à moi, mais si je vais aller la chercher comme une petite bête qui monte et sentir dans ma préhension le rapport kinesthésique, comme caresser la prise, je vais rendre sensible même un élément qui est en béton ou en pierre. Il y a une ville corporelle, en fait. Moi, je la vois aussi comme un corps sur lequel je peux aller faire l'amour avec. Donc c'est pour nous rendre plus créatifs et apporter de la poésie dans le monde, dans des espaces qui sont pas dédiés. C'est ça qui est intéressant, c'est d'être dans des espaces qui sont pas faits pour ça. Et souvent, moi je le fais, donc je parle là, mais je grimpe pas. De temps en temps, je grimpe, il y a une belle sculpture, il y a quelque chose qui m'attire, je vais aller grimper dessus. Mais essentiellement, l'essentiel de ma pratique, c'est dans le cadre de festivals, d'inauguration, dans des temps aussi dédiés à l'art. Parce que grimper sur les façades, c'est interdit. Donc j'arrive à avoir les autorisations. C'est un challenge pour moi d'avoir les autorisations pour aller danser sur l'hôtel de ville et pas le faire d'une façon où il y a la police qui va m'attendre au sommet. Je préfère les spectateurs qui m'attendent en bas. C'est eux leur sommet, mon sommet. Merci.
Oui, je pense qu'il y a, deux choses. C'est vrai qu'on peut, enfin, quand on voit des gens pratiquer quelque part, on regarde, et du coup, on est attentif à ce qu'il peut y avoir et on remarque des choses. Par contre, j'ai l'impression que d'estimer soi-même avec son corps la qualité des choses, des espaces ou la possibilité que propose un endroit, ça, ça vient avec la pratique parce qu'on apprend à savoir ce qui est important. Je ne sais pas, le toucher des prises, la qualité des prises pour vous, ou bien, comme je disais, la qualité des sols, les enchaînements, de voir tout ça, d'avoir une lecture pour le skate fluide de ce qu'on pourrait enchaîner, je pense que ça vient vraiment avec la pratique. Et puis au fond, on le remarque pas, c'est à force de pratiquer qu'on commence à avoir cette espèce de regard un peu différent. Donc, je pense qu'il y a les deux. Ouais, mais pour la grimpe, il y a aussi le squat. On parle aussi de squat. Non. Non, c'est pas... De voix. De voix d'escalade comme des voix poétiques. Ouais. Je sais que pour le graphe, il y a le spot aussi. Clairement, oui. Et ça, c'est intéressant, cette idée de spot, d'endroit qui d'un coup devient quelque chose d'emblématique pour les praticiens de quelque chose. Ou bien le spot où on va aller poser sa pièce. Et c'est peut-être ça qu'on cherche. On essaie de faire des cartographies des villes à travers des spots. Il y a le spot. Et le spot, on le retrouve, oui, pas trop dans l'escalade, mais dans le parcours. Qui est encore une nouvelle discipline qui est née dans les années 80 à Évry-Courcouronnes, là où il y avait un mur d'escalade d'ailleurs, qui est une pratique urbaine, mais pas que, sur les arbres aussi. Il y a vraiment des spots où il y a des figures qui sont déterminées, et on va faire telle figure dans tel espace-là, et on fait des voyages. Les étrangers viennent dans ce spot-là, à Miramas, à côté de Marseille, pour faire tel saut... Qui est connu, où on a vu des photos, oui, tout à fait. Oui, je voulais réagir sur la question de l'inspiration. Enfin, moi, j'ai vraiment commencé comme ça, mais je pense que la plupart d'entre nous, enfin, des skateurs, on a vu d'autres personnes en faire. C'était pas forcément à la télévision, ça n'a pas été retourner dans le futur. Ça a été vraiment plutôt... il y avait des autres gamins dans mon quartier qui faisaient du skate, et puis ça avait l'air incroyable, et puis... Et puis au final, ben, j'en ai fait aussi, parce qu'il y avait une espèce d'expérience qui avait l'air chouette, et puis qui avait l'air beaucoup plus, en tout cas à mes yeux, beaucoup plus rigolote et sympa que le tennis que je faisais à l'époque. Et donc, c'est vrai, il y avait un rapport, voilà, de nouveau à la ville, et puis c'est sûr qu'il y a, ben, je rejoins ce qui a été dit avant, puis il y a un côté de spectacle, hein, c'est sûr, le fait qu'on cherche pas toujours les spots les plus cachés, il y a aussi... Il y a toujours une espèce d'ambivalence entre le fait de se donner en spectacle, mais en même temps, ben, on doit réussir ses figures, donc c'est pas toujours évident. Ou alors on se blinde dans une espèce de bulle où on s'en fiche de qu'est-ce que les gens peuvent penser de nous. Mais en tout cas, c'est en aucun cas neutre dans notre rapport à la ville et aux autres utilisateurs. J'en dis direct avec les deux. Quand tu as mentionné les spots, je pense. Une chose qui distingue le skate, ou peut-être dans la grimpe aussi, de sport plus conventionnel, je dirais, c'est justement cette notion de spot. C'est que, arrêtez-moi si je dis bêtises, mais quand tu joues au foot, par exemple, il n'y a pas vraiment d'intérêt à aller à Barcelone ou dans d'autres pays ou aux États-Unis pour jouer au foot, parce que ce que tu vas avoir, ce sera à peu près le même rectangle, à peu près les mêmes règles, comme ça, alors que dans le skate... Si tu veux skater les blocs de Macba, eh ben, t'es obligé d'aller à Macba. Si tu veux skater tel ou tel spot, ça te pousse à sortir de ta zone de confort, à aller dans d'autres pays. Et si t'arrives dans le pays et que tu sais pas où c'est, ben, bon, maintenant t'as Google, mais avant les gens, ils devaient t'arrêter le premier gars sur un skate et tu disais, mec, c'est où ce spot? Il allait t'arrêter, peut-être ça allait devenir ton pote. Il disait, ah, bon, justement, j'y vais. Enfin, ça m'est arrivé à Barcelone, en fait. Et du coup, ben, y a des amitiés qui peuvent... Enfin, naître de ce genre de rencontre, et ça, c'est quelque chose que je crois qu'il n'y a pas, à ma connaissance, que je ne retrouve pas dans d'autres sports. Je trouve assez magique dans ce que... Tu as parlé d'un aspect important, tu l'as vu sur une photo. Et du coup, ça t'a donné envie d'y aller, et ça peut-être m'intéresser. Photo, vidéo... La documentation, ouais, de ces sports, ouais, qui fait partie aussi de la culture, ouais. Et du coup, on transmet aussi une certaine image de la vie, enfin... Exactement. Tu m'as dit, c'est pas seulement la figure que tu fais, mais aussi où tu l'as fait. Exactement. Ça, c'est peut-être le deuxième point, encore
encore une fois, si je dis une bêtise, pardon. Dans le skate, le spot a beaucoup d'importance. C'est-à-dire que tu peux faire ton kickflip en bas, tu sais le faire en bas de ces marches sur lesquelles qui sont peut-être en bas de chez toi, sur lesquelles tu as l'habitude de pratiquer ou dans le skatepark du coin. Mais en fait, le jour où tu vas le filmer, eh ben, tu voudras le faire sur tel spot. Peut-être même tu sauras à quelle heure il est bien éclairé. J'en sais rien, si tu as le mur, on discutait de ça, si tu as un mur en brique derrière, bah, tu éviteras de t'habiller avec un truc qui te fera disparaître, donc tu prendras une couleur contraste. Et le côté vraiment image et esthétique d'un style vestimentaire, presque de mode, on peut dire, je pense à un aspect vraiment, vraiment présent dans la discipline que j'adore personnellement. Moi, je reviens au spectacle. C'est vrai qu'il y a le spot, le saut, il ne sera jamais le même. Et en spectacle, en fait, j'ai dû concevoir, moi, des spectacles qui n'étaient pas sur la forme. Je ne peux pas créer une forme, vu qu'à chaque fois, l'architecture, le contexte sera différent. En fait, il faut que je parte de l'essence même du spectacle. Il est sur une intention. Et non pas sur une forme gestuelle. Vous voyez, je ne vais pas écrire une chorégraphie qui sera toujours la même, comme quand on est dans un théâtre, on peut reproduire comme dans un terrain de foot, sur un sol qui est bien plat, avec des rideaux, dans une boîte noire. Il y a un peu cette différence-là. Donc j'ai dû créer des spectacles qui puissent être recréés à chaque fois. Et pour pouvoir être recréé, ben, je pars d'une intention. Et c'est cette intention poétique qui me permet... non pas de réadapter une forme, mais de recréer le spectacle. Et donc, chaque spectacle sera unique. Même si le spectacle Service à tous les étages, il tourne depuis 22 ans, j'en suis à la 170e version différente du même spectacle. Et sur chaque architecture, c'est possible que je réinvente même une chorégraphie qui n'était pas dans le spectacle précédent. Et ça, c'est quelque chose de très précieux pour moi. En fait, de ne pas reproduire, de ne pas être dans la quantité, mais à chaque fois, on est dans une approche sensible et de qualité et unique. Et donc, cette pratique unique, elle va toucher parce qu'à chaque fois, chaque spectateur, il va croire que le spectacle, il est fait pour le lieu. Mais en effet, il est fait pour le lieu. Mais voilà, il y a dû avoir une conception différente en amont. Merci. Avant de passer à la question suivante, est-ce que j'aimerais ouvrir les questions au public ? Est-ce qu'il y a des questions que vous aimeriez poser sur cette première question ? Alors, quand on parle du spot et de la ville comme terrain de jeu, il y a une notion que j'aimerais bien avoir votre avis, mais on n'a pas parlé de la notion de code, parce que quand on parle de terrain de jeu, il y a un peu tout qui est possible, sauf que typiquement en skateboard, on ne peut pas shooter n'importe quel trick sur n'importe quel spot, parce qu'il y a justement ces notions de code à respecter. Est-ce qu'on pourrait en savoir un peu plus ? Mais c'est juste, hein, en fait, des fois on dit c'est un sport ou c'est pas un sport parce qu'il n'y a pas de règles, ou en fait c'est bruit de code et puis il y a plein de choses qu'on n'a pas le droit de faire. Enfin, moi j'ai aussi vécu une époque où il y avait plein de figures qu'on n'avait pas le droit de faire, on ne faisait plus faire des grabs, c'est-à-dire quand on attrape le skate, ou enfin voilà, on n'avait pas le droit de s'habiller de certaines manières, etc. Et puis je trouve que maintenant on est quand même dans une ouverture par rapport à ça. Je ne connais pas les autres sports, hein, mais j'ai l'impression que c'est quand même un peu plus ouvert. J'ai l'impression que ces codes ils sont aussi importants au niveau de la compétition. Enfin, on ne va pas forcément aborder la question de la compétition dans des skateparks, mais il y a une compétition en ville qui se fait dans le monde du skate, qui est à travers les images qu'on tourne, évidemment. Hein. C'est à travers des vidéos que les professionnels s'affrontent d'une certaine manière. Et puis du coup, c'est vrai qu'il y a le code, en tout cas la règle, de ne pas faire la même figure que quelqu'un d'autre aurait fait au même endroit. Et voilà, mais en même temps, ça n'empêche pas quelqu'un qui est amateur de la faire quand même pour son plaisir. Et puis, donc, oui, il y a des règles, mais à mon avis, qui concernent davantage la compétition, les professionnels et puis un peu moins les autres. Moi, je pense que c'est. Enfin, oui,
Je pense qu'il y a des règles, et c'est vrai qu'il y a le choix entre les gens qui font carrière ou pas. Et puis, comme on l'a dit, il y a plein d'images qui véhiculent pour aller retrouver un spot quelque part. Donc, on va peut-être refaire une figure qu'on a aimée sur le spot. Donc là, on l'a refait. Mais le skater qui va vouloir aller plus loin, c'est vrai qu'il doit connaître tout le répertoire de ce qui a été fait sur le spot pour le dépasser. Et puis, c'est ça qui va montrer que lui, il est meilleur que les autres. Et donc, il y a au fond une sorte de dictionnaire de tricks et de spots dans le monde qui ont été faits, et chacun doit savoir. Et les photographes font la même chose. Et les photographes aussi, ils savent que tel et tel a fait tel trick, c'est dit, mais si tu me fais ça là-dessus, ça va pas. Ou je me rappelle, j'étais avec un photographe à Tokyo, puis il y a un skater qui avait fait art flip par Tsundo, donc c'est la planche qui tourne dans deux sens, et puis qui raterrit. C'était un très beau trick, une très belle photo. D'autres, je ne peux pas l'utiliser parce que je viens de donner un art flip de lui à un autre magazine. Donc, du coup, il y a au fond toute une gestion des figures qu'on va faire, mais ça, c'est pour ceux qui avancent. Quoi. Puis soi-même, ceux qui voyagent pour trouver les tricks, c'est vrai qu'on va refaire des choses plus simples, ce qu'on a déjà eu envie de faire, ce qu'on a vu les autres. Mais juste essayer de refaire quelque chose pour se dire ça, c'est chouette, puis de remarquer que ah ouais, mais c'est quand même plus compliqué que ce que je pensais. Donc, au fond, c'est une sorte de jauge aussi pour se connaître soi-même. Là, on a parlé compétition. Quand j'ai commencé l'escalade, il n'y avait pas de compétition. C'était dans les années 80. Il n'y avait que là, en Russie, que les compétitions existaient. Et on ne vivait pas trop l'esprit compétitif, qui est d'être meilleur que l'autre. Je préférais développer l'esprit d'émulation, où c'est l'autre qui m'aide à être meilleur. Et ça, c'est quand même un changement de mentalité qui est essentiel. Et on ne pratique pas du tout la même façon suivant cette pensée-là. Suivant si je veux être meilleur que l'autre ou si l'autre m'aide à être meilleur. Et c'est pour ça que j'ai développé plutôt cet esprit d'émulation. Je préférais mettre ma créativité au service d'être inspirant, même que les autres soient meilleurs, plutôt que de mettre ma créativité au service d'être le meilleur. Et j'ai pensé à ça. Et en escalade, il y a beaucoup de codes. Quand on a inventé l'escalade libre, on a inventé beaucoup de règles, en fait. C'est pas si libre que ça. Et comme j'ai dit, la compétition, c'est des règles. Mais ces règles, elles s'inventent, elles bougent. Elles ont bougé par rapport au passage télévision. Les murs, au départ, quand j'ai commencé à ouvrir les voies, ils étaient verticaux. Maintenant, ils sont très, très déversants. Donc la gestuelle, les règles changent. Et ce qui est intéressant, dans toutes ces pratiques qui ne sont pas encore codifiées, à part en compétition, on a la liberté d'avoir des pratiques où on peut inventer ses propres règles. Et je trouve que c'est très très précieux, ça, d'être dans une société où on ne nous dit pas comment il faut faire. C'est nous-mêmes, à nous-mêmes, on peut s'inventer nos propres règles. Et on peut continuer à inventer ces règles-là. Et en escalade, quelque part, elles se sont un peu arrêtées aux années 80. Mais moi, j'essaie toujours d'inventer, par exemple, une petite... c'est pas vraiment une invention, mais on est dans la société de la croissance où en fait, on veut arriver au sommet, on veut réussir, on veut gagner en pouvoir, en notoriété, en argent. Donc, il n'y a que le sommet qui est intéressant. Donc, tous les films d'escalade s'arrêtent au sommet. Mais on sait très bien. Donc, qu'est-ce qui se passe en escalade? On arrive en haut, hop, on redescend sur la corde. On arrive sur un bloc, on saute en bas. Tout simplement parce qu'on est dans cette idéologie-là. À partir du moment où on change d'idéologie et qu'on se dit que le voyage, en fait, c'est d'aller au sommet et c'est de revenir, eh bien, à ce moment-là, l'ascension devient intéressante, mais la descension aussi devient pertinente. Donc pourquoi pas inventer et pratiquer l'escalade où je vais grimper et je vais redescendre en désescalade. Une autre question peut-être?
Merci beaucoup. Moi, j'avais une question par rapport à la notion de spot, de nouveau. Et ce que j'ai compris, c'est que le spot, il est non standardisé. Et du coup, il force à aller voir le spot spécifique qui est à l'étranger ou le spot spécifique sur lequel tel ou tel mouvement peut être effectué. Et du coup, je me demande, quand on commence à construire des spots qui ne sont pas nécessairement standardisés, mais dans lesquels on détourne plus le mobilier urbain pour créer du mouvement, mais on construit spécifiquement pour du mouvement des spots, à quel moment... Enfin, en fait, je voudrais votre avis sur les espaces dédiés. Les espaces dédiés au skate ou à d'autres pratiques. Qu'est-ce que ça change dans votre pratique? Qu'est-ce que ça change dans votre perception? Qu'est-ce que ça change dans la manière de voir la discipline qui est pratiquée? Je pense que c'est une très bonne question. Merci. Après, je vais répondre à titre personnel. C'est qu'il y a déjà un peu ça, par exemple, dans les skateparks, par exemple, qui sont des structures qui ont été pensées. Tu as certaines lignes c'est construit pour avoir différentes lignes. Après, je pense que c'est, en tout cas dans le skate, c'est souvent des endroits où tu vas pratiquer des mouvements ou certaines figures, mais quand même dans l'idée de, à un moment, les faire dans un milieu urbain. Après, pas nécessairement. Après, je pense que chaque skateur, skateuse a ses préférences d'endroit. Il y a des gens qui font beaucoup plus de skatepark, d'autres beaucoup plus de street. Et la beauté, c'est qu'il n'y a pas une manière juste, en fait. On compare souvent l'art et le skate. Je pense que c'est assez juste de faire ça. C'est que, en fin de compte, c'est difficile d'élire un meilleur, même si tu parlais d'inventer des règles. Même si tu inventes des règles, en fin de compte, il y a quand même le côté qu'est-ce que toi t'aimes bien. Est-ce qu'une personne qui fera telle figure en bas des marches ou telle figure en bas des marches, les deux elles sont impressionnantes, les deux elles ont été bien réalisées, et puis elles sont peut-être même hyper stylées les deux. Mais tu auras quand même une préférence. Mais ça ne veut pas dire que ta préférence est forcément celle qui l'emportera, je pense. Et dans le milieu urbain, on verra. Il y a de plus en plus des endroits qui se développent, des places qui sont faites dans des places publiques, mais développées comme des skateparks. Je pense que ça ouvre une nouvelle branche à l'art, je pense. Ça peut être que positif, en tout cas. C'est vrai qu'on voit l'éclosion de beaucoup de skateparks ou d'espaces dédiés à ça, et puis ça change inévitablement la pratique. Hein. L'aspect authentique du skate de rue, il diminue inévitablement. J'ai lu récemment qu'il y avait plus d'accidents en dehors des skateparks, mais la raison principale de ces accidents, c'est les voitures. Et ça interroge quand même, parce que finalement, moi j'aime bien l'idée que la rue... Moins la rue, mais en tout cas des espaces publics, des places puissent accueillir le jeu, parce que précisément, on sait que l'activité physique, notamment des jeunes et des enfants, est en diminution et a des répercussions assez massives sur leur santé mentale. Et enfin, je ne veux pas forcément débattre ici, voilà. Mais en tout cas, l'idée que la ville devrait être plus accueillante me paraît être une piste plus intéressante que la multiplication des espaces dédiés. Mais en même temps, c'est vrai qu'après, il y a des formes qui sont recherchées par les skateurs qui n'existent pas vraiment dans l'espace urbain. C'est vrai que quand on s'intéresse à des courbes, alors quand on est en Californie, on va aller dans des piscines qui sont construites justement en rond. Mais dans nos régions, ce n'est pas comme ça qu'on les a construits. Et puis, du coup, on va plutôt avoir besoin de les construire spécifiquement pour ça. Quand on a commencé à faire de l'escalade, c'était pour se préparer à la montagne. Donc les montagnards, ils nous disent, qu'est-ce que vous faites à grimper là, c'est ridicule, il faut aller en montagne. Et puis l'escalade sur falaise, c'est devenu une pratique en soi. Et puis après, on a fait du bloc à Fontainebleau, c'était aussi pour se préparer à la montagne. Puis c'est devenu une pratique en soi, le bloc. Et puis après, il y a eu l'escalade sur mur artificiel. Et on dit, mais ça, c'est pas de l'escalade. Et la vraie escalade, c'est en milieu naturel, c'est pas sur de la résine avec des couleurs. Maintenant, c'est une pratique en elle-même.
Il y a des grimpeurs qui font que de la résine. Ou il y en a qui font que de la vitesse, que du bloc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, c'est des branches. Et il y en a qui vont papillonner, qui vont intervenir dans toutes les facettes d'une même pratique. Et il y en a d'autres qui vont se spécialiser. Ceux qui se spécialisent, en général, c'est parce qu'ils font de la compétition. Donc, ils sont obligés de se spécialiser pour être meilleurs. Mais moi, je maintiens, par exemple, dans le milieu de l'escalade, il y a la pratique urbaine, c'est encore une autre pratique. La pratique en solo, la pratique sur les quais. Moi, j'ai envie de dire qu'il y a une grande cordée. Il y a une grande cordée des pratiques. J'ai pas envie de séparer. J'ai pas envie d'être dans un monde où on sépare. J'ai envie d'être dans un monde où on relie. On relie les appartenances. Plutôt que de les séparer. Donc, par exemple, moi, dans le milieu de l'escalade, j'essaie que la fédération, elle ne se déracine pas de là où elle vient et qu'elle fasse que de la compétition et du mur artificiel et qu'elle oublie les falaises. Voilà, ça, c'est, par exemple, c'est un moteur pour qu'on reste lié. Et puis, j'avais envie de dire aussi, par rapport aux espaces dédiés, quand on fait des festivals en espace public, ou je ne sais pas comment on appelle ça ici, en France ça s'appelait les festivals de rue, maintenant ça s'est appelé les festivals en espace public, ben justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on va dédier un espace en milieu urbain dans une durée d'une journée, deux jours, trois jours, dédié à l'art. Et ça c'est intéressant, il n'y a plus de voitures. Il n'y a plus toutes les terrasses qui prennent autant de place, parce que les terrasses, c'est l'espace privé qui vient dans l'espace public. Comment cet espace public et cet espace privé cohabitent? Et je trouve que les festivals sont vraiment très très bons pour ça. Parce qu'il ne faut pas se déplacer, c'est directement dans le lieu. Donc que ce soit un festival de skate, d'escalade, d'art, voilà... Développer ces festivals au JO. Parce que je trouve que c'est une façon, non pas comme dans les théâtres, de demander à ce que la personne aille dans le skatepark. Parce que ça, tous les spectacles dédiés demandent une prise de risque pour aller dans un lieu qu'on ne connaît pas forcément. Et quand ça se passe dans l'espace urbain, c'est l'espace public. Et donc là, c'est directement nous qui allons au contact direct de la population. Donc, je trouve que ça, c'est pour moi, c'est une voie que j'aimerais qu'elle se développe. Alors, on est en plein de la deuxième thématique. Déjà, notre question qui était comment d'intégrer le sport dans les espaces urbains. Et peut-être qu'on peut embrayer un peu sur le sujet que vous avez introduit. On a parlé justement d'espaces dédiés, mais en parallèle, peut-être ce que tu as appelé la troisième voie, c'est-à-dire de pouvoir aussi intégrer des disciplines sportives dans des espaces publics qui sont plus que juste un skatepark avec un périmètre fermé. Est-ce que le fait de faire ces festivals, de faire des usages temporaires en ville, est-ce que ça fait progresser? Est-ce que ça amène quelque chose ensuite à la conception plus pérenne des espaces publics et aide peut-être à ce qu'il y ait moins d'accidents avec les voitures, à ce qu'on puisse mieux gérer les différents usages dans l'espace public? Je dirais que on m'a toujours parlé avec beaucoup de nostalgie des dimanches sans voiture. Apparemment, c'est difficile. Il n'y a pas que l'espace, il y a aussi le temps. Donc, le fait d'avoir accès à des moments et à des espaces, c'est ça. Puis des fois, le fait de partager des espaces, c'est aussi donner des règles temporaires. C'est-à-dire que, bien sûr, quand il y a dans des quartiers d'habitation, quand on skate la nuit, ça dérange les gens. Donc voilà, quoi. Alors après, il y a des moments dans la vie où on est d'accord de se faire jeter des œufs ou des tomates. Et au fond, ces lieux aussi, il y a des lieux où on peut pratiquer tranquillement un certain moment, puis après aller dans d'autres quand ils seront accessibles. Donc il y a au fond toute une gestion de l'espace et du temps. Puis, je pense que c'est vrai, c'est cette complémentarité des espaces qui est importante. Dire construire des espaces en plein milieu de toutes les villes, enfin, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne solution. Moi, je pense que c'est justement la possibilité d'avoir des choses différentes et puis modulaires. Donc, oui, la connaissance des skateurs pour parler de la ville est importante, mais ce n'est pas les seuls qui connaissent la ville. Comme les ingénieurs en gestion des flux ne sont pas les seuls qui sont là pour parler de la ville, c'est une sorte
de vivre ensemble, il faut essayer de trouver des gens qui savent nous aider à construire des endroits, enfin à ménager des places plus libres. Oui, enfin moi je pense qu'on peut, au moment où on est appelé à densifier les villes, hein, on nous pousse à ça, c'est vraiment même dans des, il y a des lois fédérales qui obligent les communes à éviter de s'étaler, et bien il faut qu'on pense différemment les villes, et du coup de jouer sur ce qui vient d'être mentionné, mais des temporalités d'usage, les cours d'école, ben, par chance en Suisse les cours d'école elles sont accessibles en dehors des heures d'école, et ça je trouve vraiment très bien, parce qu'elles peuvent tout d'un coup se transformer en, justement en terrain de sport, en terrain de jeu, en place où on se rencontre, et puis de jouer justement sur cette modularité où il y a Fabio, et excuse-moi j'ai oublié ton prénom, qui sont des représentants d'une entreprise qui construit dans Urbanscape, je vais faire un peu de pub pour eux, et vraiment parce que je trouve intéressant leur approche à vouloir développer non pas des skateparks, mais des espaces urbains qui sont skatables, qui sont pensés pour ça, mais au final, si on ne les utilise plus pour ça, ben, ça reste un espace public, ça restera un banc, ça restera un endroit où on peut venir s'installer. Pourquoi pas y organiser des événements et puis d'ailleurs, les événements, ils ont quelque chose, ils ont une vertu, c'est qu'on peut, à travers ça, voir les usages qu'on peut faire différemment. Ben, moi, je milite pas, mais en tout cas, je défends l'idée d'un urbanisme qui part des usages plutôt qu'un urbanisme qui pense juste comment ça devrait se passer ensuite, alors que ça ne se passe pas toujours ainsi. Il y a des places qui ont reçu des prix d'architecture incroyables et on voit des photos où il n'y a personne. Donc moi, je parle vraiment plutôt de l'idée que ça doit être vivant et à partir de cette vie, ben, on va concevoir, peut-être améliorer les choses, aménager différemment. Peut-être en tant qu'artiste, tu veux... Moi, j'avoue que je n'ai pas grand-chose à ajouter là-dessus. Je suis toujours un peu partagé avec ces festivals. Après, c'est peut-être pas d'expérience personnelle. C'est que des fois, je trouve que quand on veut trop bien faire un festival qui célèbre les cultures urbaines, ou même les sports, ou même dans le grave, comme ça, moi, je me suis quand même souvent retrouvé à des trucs, des festivals ou des événements qui étaient finalement organisés par des gens qui ne connaissaient pas tant que ça et qui n'étaient pas forcément ce que je m'imaginais de la discipline. Et du coup, j'en étais assez déçu. Du coup, je pense que ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut faire attention quand on veut trop bien faire. Des fois, ça peut aller dans l'autre sens. C'est un avis personnel. J'ai cassé. Non, mais du coup, il savait aussi dire qu'il faut aussi des espaces dédiés où on n'est pas exposé à ce regard, peut-être. Oui, moi je pense que c'est important, parce qu'il y a beaucoup, il y a eu beaucoup dans le skate, les puristes, et puis ceux qui vont au skatepark, mais il faut aussi penser à différentes catégories de gens, quoi. Quand il y a des enfants qui veulent aller skater en famille, on ne va pas aller se poser sur une place où il y a un carrefour avec son gamin à attendre qu'il fasse du... Donc au fond, il y a ça, et puis aussi, à Tokyo, j'ai rencontré beaucoup d'endroits. Ben, des fois, les gens ils se rencontrent dans les skateparks l'après-midi parce qu'ils ne peuvent pas aller en ville. Et quand l'après-midi finit, puis que les commerces commencent à fermer, ben, tout le groupe se déplace. Donc c'est vraiment une complémentarité. Et puis c'est vrai que des fois, d'être dans la rue, et même en Suisse, ça va encore, mais dans des grandes villes, c'est aussi compliqué. J'ai un ami de Philadelphie qui me disait à peu près une fois par mois on entend des coups de feu, donc c'est un autre engagement que de se dire on va aller dans la rue. Donc je pense qu'il y a aussi des endroits où c'est bien d'avoir une pratique où on peut se concentrer sur ce qu'on fait et pas être toujours en train de gérer les alentours. C'est vrai qu'on là on parle de pratiques qui ont eu qui ont été initiés, qui sont marginales, qui étaient hors cadre social. Hein, le skate, vous avez demandé à personne pour commencer à faire du skate, pour aller grimper sur les murs, pour faire des graffitis. Vous voyez, c'est pratiques qui sont quelque part interdites par la société. Mais en même temps, ce qui est intéressant de voir dans l'évolution de ces pratiques, c'est que la société, elle va créer des lieux dédiés. C'est elle, dans son ADN, de
de venir récupérer ces pratiques marginales pour en faire des lieux dédiés, aussi pour mieux les maîtriser, pour en faire de la compétition, parce que c'est notre idéologie, hein, j'en ai déjà parlé, c'est l'idéologie de chercher le meilleur. Donc la société, elle propose ça comme moyen de réunion. Donc c'est la suite logique des pratiques marginales. Et en fait, ces pratiques marginales, elles viennent, c'est un sang neuf pour la société. Elle en a besoin pour exister. Et on sait très bien que les minorités, un jour, deviennent, s'intègrent à la société pour apporter quelque chose de nouveau. Donc, c'est pas la tendance de la société de les accepter dans des lieux non dédiés, et en même temps, elle en a besoin. Donc, c'était une discussion qu'on avait et que je trouve, moi, assez pertinente, c'est de laisser une place aux pratiques non dédiées. Pour moi, c'est très important parce que c'est là où va se passer aussi une émergence, une créativité. C'est pas dans des lieux où tout est normé, tout est réglé, que la compétition et qu'on a un premier sur une petite montagne. Donc, il y a une contradiction là sociale que je trouve intéressante. Donc, laissons la société faire des lieux dédiés, et puis après, même ces lieux dédiés, on les ramène dans l'espace urbain. Et pour les Jeux Olympiques, on va peut-être monter un mur d'escalade au milieu de la place de la Concorde, avec des skateparks au milieu de la place de la Concorde. Vous voyez, il y a comme un aller-retour de lieux non dédiés, lieux dédiés qui reviennent après dans le milieu, parce que ça vient nourrir, notre société là. Et c'est en discutant ensemble, comment la société pourrait laisser une part à l'émergence de cette créativité là, dont on en a vraiment besoin aujourd'hui, hein, de développer notre créativité. On a besoin de révéler de notre créativité pour pouvoir nous en sortir. Est-ce que je peux ajouter quelque chose à propos de ces lieux dédiés ? À mon avis, il y a une condition vraiment importante, c'est que les utilisateurs, les futurs utilisateurs soient consultés, pour le moins, sur qu'est-ce qui va être fait, et puis pourquoi pas même impliquer. J'ai prêché pour ma paroisse, mais c'est vrai que c'est ce que j'essaie de mettre en avant, c'est que on peut aussi contribuer à construire ces lieux, et d'ailleurs c'est un projet qui est en soi assez sympathique, hein. C'est pas juste de donner son avis sur tel module ou telle forme, etc., mais c'est pourquoi pas carrément le faire. Alors c'est vrai que ça implique d'avoir des compétences, ça implique d'être accompagné, ça implique plein de choses, mais j'y vois plein d'aspects positifs, en tout cas à tout ça, en termes de, au moins si c'est un lieu dédié, si c'est un lieu dédié, au moins... si c'est le nôtre, on a envie de faites le bien, ou alors si on ne l'a pas fait bien, on peut s'en prendre qu'à soi-même. J'ai une petite réflexion, là j'habite à côté d'Avignon, là. Il y a un parking qui s'est construit, et l'architecte, sur le mur du parking, il a construit un mur d'escalade. Les prises, elles ont été mises n'importe comment, ça n'a pas de sens. Et que la ville, elle me dit, mais Antoine, le mur d'escalade, on ne peut pas l'utiliser. Un mur d'escalade de 10 mètres de haut en pleine ville, c'est impensable de laisser les gamins pouvoir grimper sans corde jusque là-haut. Donc, on veut créer un lieu dédié qui va pas pouvoir être utilisable et qui a coûté un bras, par exemple. Donc, merci, il faut le rappeler. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a des lieux dédiés ou des lieux qui sont comme ça créés, il faut des experts de la pratique. Sinon, ça ne sert à rien. Sinon, c'est même de l'argent perdu. Regardez, moi, je regarde ça, les jeux d'enfants. Les jeux d'enfants, oui, il y a toujours un petit mur d'escalade maintenant. Les prises, même moi, c'est difficile pour moi. C'est des toutes petites prises. Les gamins, ils ne peuvent pas grimper. Ça sert à rien, il n'y a aucun gamin qui grimpe là. Ils vont faire le pont singe, ils vont faire le tourniquet, mais ils ne vont pas aller grimper sur le petit mur d'escalade, parce qu'il est mis n'importe comment. Vous voyez, donc, ça fait mal au cœur.
peut-être qu'on n'a plus beaucoup de temps. Du coup, on va rouvrir peut-être à une ou deux questions. Il y avait encore une question là. Je ne sais pas si elle est toujours d'actualité. Ouais, du coup, ma question a un peu évolué, mais je vais rebondir sur ce que disait M. Menestrel sur la créativité quand on est un peu contraint. Et Cyril le disait au tout début, le skate a longtemps été interdit, on pouvait se faire arrêter. Depuis, ça a été énormément récupéré par plein de choses. Comment, du coup, cultiver cette créativité dans la transgression quand on a, par exemple, une jolie rampe sculptée, mais qu'il y a des barrières qui nous empêchent d'aller la skater. Du coup, comment cultiver cette créativité toujours dans la transgression et même avec certains risques, en fait. Par exemple, les traceurs avec qui je trace, quand on leur dit vous pouvez pas grimper là, vous pouvez pas aller faire du parcours en pleine journée, les flics ils les font descendre, ben eux ils descendent, ils vont aller discuter que c'est leur terrain de jeu, qu'ils font rien de mal, qu'ils vont pas abîmer, qu'ils vont pas rentrer chez les gens. Et donc c'est possible que dans certaines villes on les laisse tracer. Si c'est pas possible, ben ils reviennent à 3h du matin. Alors ça, je pense que ça s'applique effectivement à la grimpe, mais c'est vrai que le skate, tu peux pas trop dire que tu casses pas parce que ben, ça abîme quand même un petit peu. Après, je pense que quand on veut, il y a toujours une manière de... Enfin, tous les gens font du skate, ils savent très bien, il y a toujours une manière de skater un spot en fin de compte. Même si parfois c'est moins de temps que prévu. Voilà, dans le contexte de la sculpture devant le musée, je crois que pour des questions d'assurance, et puis aussi que le musée, tout, il est en verre, du coup, c'était pas le plus idéal, et puis l'utilisation a été limitée pendant le temps d'exposition au sein du musée. Mais après, une fois qu'elle sera exposée vers le bol en bas à Vigny, du coup, bah là, elle sera en libre accès, et plus que ça, elle va vivre avec les gens. Et donc, elle va... on en parlait avant, mais elle va déjà être taguée, pour sûr. Je suis cool avec ça. Il y a des gens qui mangeront leur sandwich pour leur pause de midi, peut-être certains auront leur premier baiser dessus, d'autres auront leur premier bras cassé et tout. Et elle va faire partie du quotidien et de la vie des gens, et ça, je trouve. Je trouve ça assez magnifique. Puis à propos de pourquoi, comment on se fait pas racheter, etc., j'ai l'impression que, par exemple, pour le skate que je connais le mieux, tant que la référence, ça va être de faire des images dans la rue, et tant que les skateurs, leur challenge entre eux, ça va être de trouver des nouveaux espaces à skater, on va arriver à ça, et puis du coup, le skatepark sera ça. Quand il n'y aura que des structures avec des entraînements, des cours pour les tout jeunes, etc., puis qu'on va essayer de pousser dans des modules de skatepark, comme les athlètes qui s'entraînent pour les grandes compétitions médiatisées, ils font ça. Et ben, moi, je pense qu'il faut qu'il y ait des gens qui ont envie de faire ça. Quand les jeunes n'auront plus envie de faire ça, ben, peut-être ça va changer le skate radicalement, mais en même temps... Ce n'est pas des disciplines différentes, presque, au sein de la même discipline. Moi, le skatepark, ça ne m'intéresse pas. Par exemple, les compétitions ne m'ont jamais intéressé, mais tu parles avant de compétition, de filmer et tout ça. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, l'aspect esthétique du skate, l'aspect d'aventure, de découverte, de trouver des spots à des endroits où même d'autres skateurs ne les voient pas et tout. Ça, je pense. Et après, il y a d'autres gens qui ne jugent que par le skatepark, qui voient le skate comme un vrai sport, entre guillemets. Je pense que c'est peut-être clivant, mais en fin de compte, il n'y en a pas un qui est plus juste que l'autre. Mais c'est-à-dire qu'il y en a un qui va nourrir l'autre, parce qu'au fond, j'ai l'impression que si les compétitions dans des lieux normés, elles ne sont pas influencées par la rue, il y aura moins cette créativité, puis on va aller dans juste une augmentation de la technicité des figures sur des parcours normés. C'est vrai. Tandis que maintenant, encore, dans les compétitions, il y a quand même le choix des parcours. Il y en a qui, d'un coup, choisissent des autres trajectoires. Et puis, ça, c'est aussi noté. Ça fait partie du truc, la lecture du terrain. Et quand, si ça n'y a plus, je pense qu'on va arriver dans des sports très normés. Mais pourquoi pas? Mais enfin, c'est juste que, pour l'instant, c'est pas ce qu'elle a. Et je trouve que c'est bien cette balance des deux, où l'un nourrit l'autre.
Et l'autre, enfin, la compétition nourrit quand même, parce que ça fait vite des skateurs de ça. C'est vrai. Mais ils doivent quand même faire une vidéo parc officielle pour être reconnus par leur copain. Ouais. Je voulais continuer sur la transgression, parce que ça, c'est un sujet qui m'intéresse aussi. Et pour les spectacles, par exemple, quand c'est sur un opéra, un théâtre, je suis obligé de demander l'autorisation. Parce que je mets des cordes, je m'installe, je reste longtemps. Mais quand je suis là que de passage, je demande pas forcément. Parce que tu peux. Aujourd'hui, on peut plus tout demander. C'est pas possible. Sinon, je fais plus rien. Quand je joue Roméo et que je fais 100 mètres de façade, il y a quelques façades, à la limite, je vais pouvoir. Même pas, je vais demander, en fait. Je vais informer la personne. Vous inquiétez pas, je pars de là et je vais passer sur la façade et je vais jusque là. J'informe, mais je demande pas, parce que demander, on te répond par oui ou par non. En général, on te répond non. Donc, il faut, tu peux plus demander, parce que tout de suite, les gens ont peur. Enfin, vous voyez la société dans laquelle on est. Donc, on dit non. Donc, il faut trouver la lézarde poétique, la lézarde. La communication est très importante. De la, quand tu te sens à ta place. C'est super, t'es fort dans ton positionnement. Et à ce moment-là, la personne, elle va pas dire oui ou non. Tu t'informes, tu passes. Même si c'est qu'une fois. Voilà, hop, tu l'as pu le faire qu'une fois. Ouais, mais c'est génial. Rien que faire un passage. Après, si tu restes dans le spot, que t'essayes et tout, bah oui, là, il y a troupement. Mais quand c'est interdit, il faut être furtif. Moi, je voulais juste dire cette créativité. Enfin, j'ai l'impression qu'elle ne peut pas tellement disparaître, puisque vraiment l'intérêt de ces sports, il est la figure, le lieu, il fait partie de la figure. Et du coup, quelque part, même si on crée des skateparks, même si on crée des compétitions, puis que ça risque de normaliser. Hein. Enfin, c'est le grand risque du skate aux Jeux Olympiques. On l'a vu avec le snowboard. Ça a été, ben, franchement, on va voir des gugus qui tournent dans tous les sens. J'arrive même plus à compter. Enfin, j'ai perdu ce sens que je pouvais, le plaisir que j'avais de regarder du snowboard autrefois. Et j'ai peur que le skate, ça devienne un peu ça. Aux Jeux Olympiques, mais en même temps, ça ne va pas empêcher, comme dans le snowboard, ça ne va pas empêcher des gars d'aller faire du freestyle, continuer à faire ça et de chercher des lieux. J'imagine qu'en escalade, c'est pareil. Puis dans le skate, ça risque d'être pareil, c'est-à-dire que ça va être des figures sur des lieux particuliers, puis en même temps, j'ai l'impression que là, juste j'ai regardé la vie, je suis allé visiter l'exposition qui est en bas, et j'ai passé du temps à regarder la parc de Marc Gonzalez qui a 30 ans. Un vieux skateur, et j'étais quand même vraiment étonné de voir des figures qui sont complètement d'actualité. Et puis je me dis, tiens, la créativité, elle est aussi où ? Enfin, c'est étonnant. Enfin, quelque part, on est un peu limité. Enfin, à la fois, il y a une grande possibilité, un grand potentiel de créativité dans le skate, mais au bout d'un moment, il y a quand même une limite à ce qu'on est capable de faire. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Alors, malheureusement, on arrive déjà au bout de notre heure de discussion, mais je vous propose de continuer pendant l'apéritif. Merci beaucoup. À tout le monde.